Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte de la démo de Chance of Senar, un jeu d'énigmes, de casse-tête, mais dans un univers graphiquement très particulier. On va voir ça tout à l'heure, hein, quand on va lancer le jeu. Une idée de vidéo qui m'a été proposée par Personae, que je remercie. On est sur un jeu solo, les loulous, qui est sorti le 5 septembre 2023. Il est au prix de 19,99 € hors promo sur Steam. Il est en français, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il y a des chances d'ailleurs que ce soit un jeu français, hein, d'ailleurs, au passage. C'est une supposition. C'est développé par Rundisk. Je ne me suis pas renseigné, hein, donc je ne peux pas vous dire. Et c'est édité par Focus. Focus étant un éditeur français. Mais il n'édite pas que des jeux français, bien sûr, hein. On peut jouer à la manette, on ne peut pas. On rebanne les touches sur cette version démo. Et donc on s'en va découvrir ceci. Pour voir un peu ce que ça donne. Ok, donc, cliquez dans le décor pour déplacer à la souris. Vous pouvez également choisir de jouer à la manette. Et bien c'est parti. Alors, il y a des escaliers ici. Rien de particulier. Alors, comme vous pouvez le voir, la DA est très originale. Là, on a un barrage. Et là, on a une porte avec un levier. Alors, cliquez sur un élément pour interagir avec lui. Alors, le journal enregistre tous les glyphes que vous découvrez. Pour l'afficher, cliquez sur le bouton Journal. Vous pouvez aussi l'ouvrir en cliquant directement sur un texte. D'accord. Donc là, en fait, il a enregistré les glyphes que je viens d'afficher. Donc quand vous pensez avoir deviné le sens d'un glyphe, cliquez dessus pour consigner votre hypothèse. Pour quitter le journal, cliquez sur le bouton de fermeture. D'accord. Et du coup, là, si je regarde à nouveau ça, donc on a effectivement trois glyphes différents. Compte après, alors, on a ça représente les deux positions du levier, hein, forcément. Maintenant, alors c'est soit au bas, ça pourrait être au bas, soit ça peut être ouvert, fermé. Alors, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Mais après, je vois pas le lien des deux mots avec le. Il y a le même symbole dans chaque mot. Du coup, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. On va enchaîner. On verra plus tard. Oula. Alors, en cas de besoin, utilisez le bouton du milieu pour dévoiler tous les éléments interactifs autour de vous. Un point blanc indique les éléments sur lesquels il reste quelque chose à voir ou à faire. Déjà, on va regarder ici. Ok. Donc ça nous donne l'ordre. Donc c'est bien une histoire de haut-bas, je pense, hein. Alors, le C. Le C un peu à l'envers. Attendez, on va revenir en arrière. Oui, donc ils veulent que je fasse le clic pour enlever le tuto. Le C, ce serait O. Donc mon hypothèse, c'est que ça veut. Alors j'espère que c'est en français.
Et du coup, ça, ce serait bas. Par contre, toujours aucune idée pour celui-là. Voilà. Donc, on revient là-bas. Et donc, si mon hypothèse est juste, là, on donne l'indice d'ouverture, enfin, de positionnement des trucs, ce serait haut, haut, bas, haut, bas, haut. Haut, bas, haut, bas, haut. Donc, haut. Non. Il fallait pas que je le bouge. Donc, bas. Haut, bas. Haut, bas, haut. C'est bon. Nickel. Donc j'ai bien deviné ces deux mots-là. Et du coup, on peut traverser maintenant qu'on a vidé toute la flotte. Alors, glisser chaque glyphe dans l'emplacement qui semble lui correspondre. Si tous les glyphes d'une double page sont corrects, ils seront définitivement validés. Alors, j'avoue que je comprends pas. Alors, est-ce que ce serait plutôt ouvert et fermé du coup, par rapport au symbole du cadenas? Alors, ouvrir et fermer, peut-être utiliser les infinitifs. Et du coup, ce serait sur le premier panneau, ce serait ouvrir porte et fermer porte. Alors, du coup, on va marquer porte ici. On va le glisser là. Et du coup, ici, ce serait ouvrir plutôt. Et ici, fermer. Et du coup, ouvrir ici, fermer. Pardon, ici. On est bon. Ok, tout est validé. Plus vous traduirez de glyphes, mieux vous comprendrez vos interlocuteurs. Si vous n'avez pas encore compris le sens d'un glyphe, ou si vous manquez d'emplacement dans le journal, continuez d'observer autour de vous. Bon, bah nickel. Donc, on a un PNJ en face. Oula, alors qui nous parle et qu'on comprend rien. Donc là, on a quatre nouveaux symboles qui sont découverts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un symbole égale un mot. Ça, c'est un truc qui est validé. Bon, peut-être bonjour, s'il est poli. Et après, je ne sais pas, hein, c'est du chinois. Ok. Alors, je peux... Et comme ça, il peut traverser là-bas. On pourra se faire coucou à travers la grille, c'est incroyable. Et du coup, moi, pour ma part, je peux traverser là. Je suis pas plus avancé. Si je m'approche de lui, je peux lui parler. Il me redit la même chose. Enfin, je crois. Oui, c'est toujours la même phrase. Enfin, les mêmes trois mots. Ah, il y a le mot ouvrir et il y a le mot porte. Et oui, c'est les mots que j'ai déjà découverts. Je ne me rappelais pas que c'était ces symboles. La première phrase qu'il nous a dit, c'était tout, enfin, c'était tout ça. Mais là, il nous parle d'autre chose. Et il a mis quoi comme...
Il a mis ce symbole. Donc quelque chose, ouvrir porte. En tout cas, moi, je peux plus avancer. Ah, c'est lui qui... Ok. Et là, il nous rajoute deux autres mots. T'as pas fini d'en rajouter des trucs? Je sais pas ce que tu baragouines, moi. Donc là, franchement, ce serait bonjour, hein. Alors par contre, normalement, on les découvre dans l'ordre qui nous les dit. Donc là, on va dire que, on va partir du principe que c'est bonjour. On va le glisser là. Toi, moi, peut-être. Enfin, du coup, ouais, toi et moi. On va tenter, hein. On verra bien. Toi. Moi. Du tout. C'est pas ça. Bah du coup, voilà. N'est-ce pas? J'en ai pas la moindre idée. Ah, il y a... Ah, on peut recliquer. Donc là, il nous a dit bon, effectivement, bonjour. Ok, on peut revoir les dialogues avec lesquels... Donc là, ouvrir porte. Alors, toi ouvrir porte ou moi ouvrir porte, peut-être. Ouais, ce serait plus ça. Donc, le truc comme ça. Alors, attendez. Ce serait plus ça et ça. Toujours pas. Après, c'est peut-être pas bonjour, mais ça paraît tellement logique qu'ils disent bonjour là. Alors, est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est moi et toi? Est-ce que c'est dans l'autre sens? Donc moi, hop, toi. Non. Bon. Eh bien, je ne sais pas, les loulous, du coup. Voilà. Ça, c'est fait. Pourquoi je peux pas bouger, là? Ah, ça y est. Bon, bah, on va continuer d'avancer, hein. C'est pas, on n'est pas bloqué, hein, de toute façon. Alors, attendez, il nous redit autre chose, toujours avec ouvrir. Toujours avec ouvrir porte. Ça pour moi ce serait le toi alors. Alors c'est toi ou vous hein, mais et ça ce serait le moi. Ah voilà. Ok. Donc il reste deux symboles. On sait pas ce que c'est. Mais du coup dans la phrase du départ, est-ce qu'il y a un des mots qu'on a découvert?
Donc bonjour. Donc toi, quelque chose, moi. Bah et peut-être. Toi et moi. Là, je sais pas, de toute façon, je peux pas le contrôler, ce symbole, pour le moment. Toi, ouvre la porte. Ouais. Ok. Donc là, on va ouvrir la porte. Comme ça, lui, il peut passer. Et là, il nous dit, moi, et je sais pas. Moi, quelque chose. Et là, il nous dit, toi, ferme la porte. Ok. Alors, toi, réussis peut-être? Ou réussir? Ou toi, avancer? On va dire avancer. Mince. J'ai fait une boulette. Hop. On verra bien. Non, pardon. Alors ce serait peut-être aider, toi aidez-moi. On va se le noter pour voir. Là, je peux passer là. Du coup, il faut que je rouvre ici. Et donc je peux aller activer celui-là. Donc là, il faut que je fasse sortir cette flotte. Je suis obligé de venir cliquer ici. Et donc on veut passer tous les deux. Allez. Ah, je peux pas. Faut que je lui parle. Au revoir. Et comment ça se fait que je sais ce que ça veut dire?
Alors, par contre, j'ai pas la suite pour faire glisser les glyphes. Donc en fait, ça et ça, je sais pas si c'est juste. Bon. C'est pas grave, hein. Donc, on a ceci. Du coup, on a... Voilà, tout ça qui est nouveau. Parler à lui. Bonjour. Pas mal, petites animations. Oula. Alors ici. Waouh. Toi, alors peut-être avancer porte et fermer porte. Oh, c'est pas évident. J'ai pas compris. OK. Bon, là, on n'est pas aidé avec ça. Waouh. Là, je peux descendre ici. On a un truc là. Oula. Comment dire? Voilà quoi. Eh ben c'est pas gagné cette histoire. Alors, on a accès à une autre zone. Il y a un chat. Gling. Alors ici. Oula. Toi, je sais pas quoi, moi.
Ça se complexifie quand même. Bah, y a rien ici. On peut remonter. Pas quoi faire. Hein. Ah, je peux parler avec tout le monde, mais. Waouh! C'est surtout que j'ai pas la suite du livre en fait. Non plus. Bien. Il y a personne de très sympa, hein. Ah oui, mais il y a deux. Ah, d'accord, en plus, il y a comme des chapitres. Très très bien. Donc là, j'ai parlé avec tout le monde. Je crois, hein. Du coup, est-ce qu'on veut vraiment venir ici? bah, je ne sais pas. Du coup, je sais pas quoi faire. Il y a la petite fille ici. Toi, attrapez-moi peut-être. Attraper. Qu'elle s'enfuit. Elle a l'air de vouloir se cacher. Ou suivre. Ça serait peut-être suivre. Ouais. On va aller retourner en arrière. Elle est là. Ah, est-ce qu'elle se cache? Il faut la trouver. Est-ce qu'il faut juste la suivre? Donc toi suivre moi ou toi chercher moi? Oh là 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 là. Je sais pas les loups. Vas-y, avance. Merci. On repart par là, on verra bien. Alors, je l'ai entendu rigoler. Oui, mais du coup, elle peut pas être là. En bas des escaliers.
C'est ça. C'est quel symbole qu'elle utilise là? C'est peut-être pas suivre, c'est trouver. Et donc là, elle va nous dire. Oula, carrément autre chose. Elle nous dit au revoir, en tout cas salut, à la fin de ces deux phrases. Là, une phrase qui commence par moi, une autre qui commence par moi, potentiellement avancée, mais. Mais je ne sais pas, du coup. Il y a deux nouveaux symboles. Oh, il y a trop de symboles. Hein. Il y a un passage secret là-haut. Ah! Cacher, trouver, suivre. Du coup. On va le tenter, hein. Alors par contre, pour retrouver ça, ou trouver ce serait celui-là. Ensuite. Ah oui, alors là par contre. Par contre, il va falloir que je revienne en arrière. Enfin, ici, pardon. On a eu ici. Donc là, toi, trouvez-moi, ok. Et ensuite. Toi, suivre-moi. Hop, suivre. Donc là, ce serait ça. Après, il reste le fait de se cacher. Mais mais voilà quoi. Retrouvez-moi. Va suivre moi. Ouais, mais c'est toujours pareil en fait. Je me rappelle plus le symbole pour le fait qu'elle soit cachée. Parce que c'est dans la première phrase qu'elle nous a dit. Du coup, faut que j'aille. Je sais plus où c'était. Rester là. C'est ça. Et donc là, elle nous dit, toi suivre-moi. Bah, à quel moment elle nous parle du fait de se cacher, en fait? Enfin, se cacher, chercher. Peut-être plutôt chercher, d'ailleurs. Je sais pas.
Donc ce qui nous empêche pas d'avancer encore une fois de plus dans le jeu, hein. Toi, moi, toi, moi. D'accord, elle attire le PNJ en lançant une pierre ou je sais pas quoi sur la cloche. Certaines zones doivent être traversées discrètement, survoler une cachette jusqu'à la faire apparaître, une silhouette pour puis cliquer pour vous y rendre. Ok, bah écoutez les loulous, je pense que je vais m'arrêter là. Alors c'est très original, hein. Bon, c'est pas trop mon délire de jeu d'énigmes et de casse-tête, je vous avoue. Les trucs avec des mots, tout ça, c'est pas trop mon dada. J'aime bien la DA par contre, c'est très original, mais personnellement je trouve plutôt ça très sympa. On l'a vu donc qu'il y avait... à première vue, il y a différents dialectes, peut-être. Je sais pas comment appeler ça. On doit déduire les mots qu'il faut ensuite valider via ça. Donc je vous avoue que là, le chercher ou cacher, c'est un des deux. Hein. Je sais pas trop où il est. J'ai pas réussi à retrouver le terme en visionnant les scénettes. Ce qui est bien, c'est qu'on peut revisionner tous les dialogues de chaque PNJ. Donc voilà, ça évite de devoir tout retenir, ce qui serait impossible pour moi. Le principe du jeu en lui-même. J'adhère pas plus que ça. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je remercie Personaille de m'avoir suggéré ce jeu. Parce que franchement, il était quand même intéressant à découvrir. Je vous laisse là-dessus, les loulous. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.